Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne ML Girl. Moi c'est Mimi. Laura, elle n'est pas là avec moi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble pour prinquer Chesco. On va le faire, je ne sais pas si vous connaissez le prank fish. Donc, pour réaliser ce prank, on aura besoin du poisson et pour corser encore la chose, hein, on aura besoin de la sardine. Donc, je vous explique. Là, j'ai demandé aux enfants, enfin les enfants sont partis se promener avec Laura. Et du coup, moi, je vais dire à Chesco que vu qu'il n'y a pas les enfants, on va prendre un petit moment romantique tous les deux, d'accord. Donc voilà, j'espère, j'attends juste de voir sa réaction. Donc j'espère que je vais pas me faire jeter parce que du coup je mets, je vais vous montrer. J'ai demandé à mon poissonnier, il m'a conseillé, je vais demander le poisson qui pue le plus. Donc du coup il m'a conseillé du merlan et je vous assure, rien d'ouvrir le sac, le poisson il pue. Sincèrement. Oh my god, punaise. Je viens de finir d'appliquer le poisson et tout ça. Chesco là, il est à l'étage, il est sur son ordinateur. Lui, quand il est sur son ordinateur, si tu l'appelles pas, il descendra pas. Donc du coup là, je vais l'appeler, je vais placer la caméra et après je l'appelle. Et après c'est parti. À tout de suite. Chesco! Titi! Qu'est-ce qu'ils ont fait la dernière fois là-bas à la Tune 9? Ils ont fait quoi? Ah oui! Mais non! Mais ça pue en fait. Qu'est-ce qui pue? Il n'y a rien qui pue, bébé. On passe sur. Tu es au vendeur aux yeux, comment tu es? Non, chou, en plus je viens de faire le ménage et j'ai désinfecté la maison et tout. J'ai les mains de Dieu. Mais bon, il y a une chose à l'objet. Tu te sens pas là? Bonjour. Oh. Quoi? Mais ça pue, chou. Mais non, ça pue. Mais si, ça pue. Bah, il n'y a rien qui pue, hein, chou. J'ai nettoyé la maison. Il n'y a rien du tout, ça sent. Il n'y a rien qui sent, en fait. Comment ça, ça passe, ça sent? Si, bobolé. Non. Qui a nettoyé la maison? Bah, c'est moi. J'ai passé la serpillière. J'ai passé la serpillière. Franchement. Bah, oui, chou. Oh. Je sais plus de partout, la choupie. Oh! Mais attends, comment ça pue? Mais tu sens pas comment ça pue là? Mais non, moi, je sens rien. En plus, d'habitude, c'est moi qui sens les odeurs. Ben ouais, mais essaie de voir partout, Robert. Mais j'ai regardé partout déjà, chou. Oh! Mais y a rien, ça pue. Moi, j'étais dans la chambre, il n'y avait pas tout ça. J'étais mais il n'y a rien du tout, bébé. J'ai fait le ménage, j'ai tout nettoyé, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Oh! Oh! Quoi? C'est toi? Comment ça c'est moi? T'es malade ou quoi? Depuis quand je pue? En plus j'ai mis le parfum que tu m'as offert. Le Duradit. Il pue pas. Bah si, c'est toi, grand-père. c'est moi? Et tu pues? Comment ça je pue? T'es malade ou quoi? Depuis quand je pue, moi? T'as fait quoi? Mais Titi, j'ai rien fait du tout. Bah si, tu m'as pas appelé pour ça.
Pour ça, quoi? J'ai rien fait du tout. Je me suis lavée. Regarde, en plus, je me suis lavée, je me suis apprêtée. Tu crois que. Non, mais tu t'es apprêtée pour. Mais t'as fait quoi? Non, mais attends, c'est quoi l'histoire en fait? T'as fait quoi? Si tu veux pas passer du temps avec moi, il faut me le dire. Ça sert à rien de me dire que. Ça sert à rien de vouloir me vexer pour pas passer du temps avec moi. Si tu veux pas rester avec moi, si tu veux aller sur ton ordinateur, va sur ton ordinateur parce que je vois pas ce que ça sert. Mais j'ai pas vexé. Attends, tu fais exprès. Oh, mais tu fais exprès ou quoi? T'as mis quoi? Mais non, mais c'est t'as mis quoi? Tu vas pousser comme ça? Non, mais t'as mis quoi là? T'as besoin de coller mais comme ça là? Mais j'ai rien mis, chou! J'ai rien mis! Sans, j'ai rien mis! Oh, mais j'ai senti depuis tout à l'heure là, je sais pas. Oh, tu m'as pas appelé pour ça? Mais tu t'en passes du temps ensemble comme ça là? Chouchou, je me suis lavée, je me suis maquillée, j'ai rien, je. Bah, je sais pas, je sens, tu vas sentir. Mais je sens. Mais je t'ai dit. Mais y'a rien, bébé! Mais je t'ai promis, tu pues. Je t'ai promis. Mais t'es pas comme ça d'habitude. Mais je te jure que tu pues. T'arrêtes de me dire que je pue? Déjà, je me suis lavée et je pue pas. Je sens bon. Je sens bon, y a rien qui pue là. Oh, oh. En plus, tu rigoles. Quoi, tu fais exprès ou quoi? Mais non, je fais pas exprès, mais. Mmh. Bébé, je pue pas, je sens le parfum. Mais ben, pourquoi ça te fait rire? Mais parce que c'est ta réaction en fait, mais tu sais ma quoi, réaction, tu mais je sais pas, fait quelque chose, je te jure, ça pue. Mais du déodorant ou du désodorisant? Chérie, désodorisant c'est pour les toilettes. Ouais, mais ça pue. Oh. Mais t'as mis quoi? J'ai mis le Dior Addict. D'accord? Non. Si, j'ai mis le parfum que tu m'as offert. Non. Si? Non. C'est ce que j'ai mis. Il n'y a rien d'autre comme le parfum, j'ai rien mis d'autre. Je comprends pas. Mais toi-même, tu sens quoi? Mais non, je sens rien, mais c'est ça qui me choque, parce que je sens rien, et ça m'énerve. J'ai rien mis. C'est vrai, tu sens pas? Non, je sens pas. Peut-être que c'est ton nez qui est trop près de ta bouche. Hein. Mon nez, il est plus trop près de ton... De... Mm-hmm. Bah oui. Vas-y, finis. Bah oui, mon nez, il est trop près de... Termine. Bah ouais, mais... Mm-hmm. Tu te rends même pas compte que... T'as mis quoi? J'ai rien mis du tout. Ah, qu'est-ce que là? Je me suis déjà lavé, je vais pas me laver deux fois. Ouais, mais tu sais que tu peux te laver deux fois, il y en a qui se lavent deux fois. Oui, mais là, je me suis lavé. J'ai gerbé là, c'est pas possible. Comment ça, tu as mais dit... je sais pas, t'as mis quoi? Tu commences à non, mais sérieux quoi? Oh! Mais t'as mis quoi? C'est bon. C'est quoi, tu sens? Non, mais c'est quoi? Vas-y, dis, c'est quoi? T'as fait quoi? Mais. T'es prinqué. Comment ça, je suis prinqué de quoi? Mais j'ai pu. C'est quoi les gens? Je me suis mis du poisson, de la sardine. Tu t'es mis du poisson sur toi? De la sardine. Attends, oh. Tu t'es mis du poisson sur toi? Oui. Mais pourquoi faire? Pour te prinquer, pour voir ta réaction. Et franchement, la chute de tout à l'heure, t'aurais pu. T'es vraiment pas gentil. Ah, t'as mis du poisson pour en prinquer? Oui, tu m'as poussé. Mais ça va te coller? Ben non, je vais aller me laver là. Mais t'es folle! Je te jure, t'es folle! Comment ça, la caméra là-bas? Comment ça, elle est où la caméra? Et où la caméra? Oh punaise! Oh! Mais pourquoi t'as fait ça? Seigneur! Mais t'es folle! Voilà! Je te jure, t'es folle! Je prinque! T'es folle, ouais, t'es folle! Viens voir! T'es folle! Mais viens! Sérieux, tu m'as fait descendre pour ça? Oui! Donc, histoire avant, les gens ont pas été ensemble, c'était le carnet Oui, bébé, je les ai envoyés exprès parce que je les ai mis au courant comme quoi j'allais te prinquer. Donc, du coup, voilà, j'étais prinquée. Oh. Voilà, j'étais prinquée. Alors, mais après, là, tu m'as collé ton poisson, là, mais sérieux, là. Pourquoi toi aussi, tu sens le poisson? Hein? Toi aussi, tu sens le poisson. Mais, bébé, non, alors. Mais tu pues. Mais c'est bon, oh, c'est du poisson. Je suis partie acheter du poisson et j'ai demandé au poissonnier le poisson qui puait le plus. Il m'a conseillé celui-là. Il m'a dit, il m'a conseillé celui-là. Et j'ai rajouté de la sardine. Oh. J'ai rajouté de la sardine pour bien corser le truc. Et t'as mis ça partout là comme ça. Partout. Et bon. On a prank. Mais moi je veux plus y aller. Oh, je vais aller me laver. Prank, hein? T'es folle. Le prank est terminé. Donc folle. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mais d'où t'as sorti ça en fait?
J'avais regardé une vidéo Prankfish et ça m'a donné l'idée. Prankfish. Ouais. Fish, quoi, fish, bah poisson. Genre mais Natalina, t'es américaine. c'est eux qui ont les meilleurs pranks, je crois. Bon, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de vous abonner, abonnez-vous à notre chaîne. Et toi, t'as pas fini. Et c'était trop bon, franchement, j'ai pris plaisir, à part la chute, hein, à part la chute, mais sinon tout le reste était parfait. Sa réaction, je savais qu'il allait réagir comme ça, j'en étais sûre, à part la chute, bien sûr. Bye bye! N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. Et on vous dit à la prochaine. Bisous, bye!